inaugurale de septembre 1972 présentait des œuvres d'Anaïs Corbaz, issues de la collection L'Art Brut, prêtées par Jean-Luc Buffet avant le départ de sa collection à Lausanne. Ce lieu, à l'époque, unique à Paris, fut précurseur. L'atelier Jacob jouissait d'une grande renommée dans le milieu de l'art. Il découvrait ainsi L'Art Brut grâce à quelques journalistes et critiques qui soutenaient régulièrement et avec une grande ferveur. Nous devons aussi beaucoup à mon compagnon Marie-Claude Equi et notre ami Pierre Della Justina qui ont réalisé toute cette installation en quelques jours. Maintenant, éphémère de la Fondation du Buffet, ont également apporté leur pierre à cet édifice en nous donnant accès à leurs archives pour illustrer richement cette correspondance. Conçue par Déborah et Nicolas, à la fois comme un ouvrage de référence pour la partie Déborah Coët et comme un bon livre pour la partie Nicolas Desponts. Je vais maintenant vous laisser avec Déborah Coët, qui a brillamment honoré son engagement pris avec notre mère Caroline Bourbonnais d'éditer cette correspondance. Bravo, bravo. Bonsoir, je vous remercie tous d'être là ce soir, et particulièrement ce 22 octobre, car lorsqu'Alain Bourbonnais a ouvert cet espace en 1972, il n'imaginait pas que cette aventure allait durer 10 ans. Je suis particulièrement heureuse de vous présenter brièvement cette correspondance pour cette date anniversaire. Cet ouvrage doit énormément à Sophie et Agnès Bourbonnais qui ont cru en cet ouvrage, qui ont ouvert grand les portes de la fabuloserie pour y étudier les archives. Il doit également... Alors,